Je vais vous partager le pain, hein? Là! Merci, maman. Allez jouer maintenant. Et il est beau, ce pain. On dirait celui des anciens. C'est le même. Nous avons allumé le four. C'est moi qui pétris et c'est elle qui cuit. Et la farine, où tu la prends? Ben, je la fais. Je la paye mon blé. C'est un grand mortier de marbre qui était là-haut au grenier. Oui, qu'est-ce que tu veux, le blé? Ça se vend plus guère maintenant. Hein? Mais alors, de le dénaturer, comme ils disent, moi, ça me fait mal au cœur. Et puis, il y a les taxes, les impôts, le pétrin à la mécanique. C'est son four, le boulanger. Il a du pétrole pour chauffer son four. Oui, alors mon blé, moi, je me le mange. Ça épargne des sous et c'est meilleur. Je comprends. Alphonsine. Quoi? Je voudrais te demander quelque chose. Donne-moi une tranche de ton pain. Je vais chercher un jambon. Non, te dérange pas, te dérange pas. L'amoureux, c'est pas pour moi, j'ai pas faim. Voilà, je vais te dire. Oh, puis ça se saura toujours, et puis c'est pas du mal, après tout. J'ai une femme avec moi, là-haut. Alors le pain, ça lui fera plaisir. Mais prends le tout, alors. Je peux pas te le payer, mais je t'en voudrais ça, hein. Dis, tu en as vu beaucoup, des gens, qui ont payé le pain dans la ferme de mon père? Dis-moi un peu, Panturle, mais comment tu deviens? C'est de vivre dans la montagne que tu déparles comme un bestiari. Ah, celle-là est forte. Tu veux me payer mon pain? Mais écoute, l'amoureux. Oh, après ça, te gêne plus. Tu peux pisser dans la soupière. Hein?